chef. Hein. Je suis comme ça, mais c'est trop bien. Vous venez voir. Oui, Toto. Toto. Mettez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Être dans et toujours dans le ciel et le ciel. Le Premier ministre accompagne les membres du gouvernement. Je vais essayer de... Bon. À madame la ministre d'État, maintenant que vous avez accepté la boisson, je voudrais vous demander des nouvelles. Il y a des jours, s'il vous plaît, adieu. Nous ferons fort. Ce grand geste qui a été fait, le Premier ministre, ainsi qu'à l'importante délégation qui l'accompagne. Nous allons demander à tous les amis de connaissance, tous les amis, tous ceux qui sont venus de façon privée. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour et un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement et au nom de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. Et qu'il repose en paix, l'illustre disparu. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant Monsieur le Président de la Chambre. Nous recevons donc et amis. Merci à vous de votre présence. Et ses enfants, au nom des grandes familles. Merci bien, monsieur. Je remets le micro. C'est une journée une fois de plus difficile. Nous sommes gagnés par l'émotion, mais comme vous le savez, le président Henri Konan-Bédié a été pendant 13 ans président de l'Assemblée nationale. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venue donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. D'abord pour le digne fils qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a pu donner pendant toutes ces années. Je vais vous donner un peu de temps.